expliquer comment créer un forum et l'animer dans monlycée.net. Alors lorsque vous êtes sur l'ENT, vous cliquez d'abord ici sur « Mes applis ». Vous allez arriver sur toute la liste des applications disponibles. Ici, celles qui sont déjà mises dans les favoris et en dessous, par ordre alphabétique, toutes les applications qui sont disponibles. Ici, vous avez celle qui s'appelle Forum. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le forum. Alors, vous pouvez créer une nouvelle catégorie en cliquant ici sur Créer une catégorie et par exemple écrire Seconde 5, Échange en physique-chimie. Donc une fois que vous enregistrez ici, vous allez pouvoir partager ce forum avec d'autres personnes. Donc dans la zone de recherche, vous cherchez par exemple les élèves de seconde 5, donc 205. Je vois plusieurs groupes qui apparaissent, toujours pas les élèves. Ici à droite, voir la suite. Donc je continue à descendre, toujours pas d'élèves, voir la suite. Ici j'ai les élèves du groupe seconde 5, je sélectionne, ils apparaissent ici automatiquement. Pour l'instant, ils ne sont que lecteurs. Alors, si je veux faire vivre le forum, il faut qu'ils soient aussi contributeurs. Alors, je ne mets pas les élèves modérateurs ni gestionnaires. Et à tout moment, je peux supprimer les élèves de seconde 5 de ce forum. Alors, vous pouvez aussi inviter les parents si vous le souhaitez, d'autres collègues si vous souhaitez faire juste un forum pour tous les élèves de la classe. Et une fois que vous avez choisi toutes les personnes avec qui vous vouliez partager, vous cliquez sur « Partager ». Donc, ce forum se trouve ici. Pour communiquer à l'intérieur, vous cliquez sur le petit carré. En bas, vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Par exemple, « Nouvelle discussion ». Et ici, vous pouvez marquer le nom d'un chapitre, par exemple, pour relancer les discussions sur le chapitre « Mouvement ». Et je peux écrire un petit message « Bienvenue dans le forum ». Alors, bien évidemment, il va falloir donner des règles pour le forum. Les élèves, à tout moment, pourront écrire des réponses. Et puis, vous pourrez répondre, ou d'autres élèves pourront répondre, vu qu'ils sont tous contributeurs. Alors, petite chose intéressante aussi, c'est de mettre les notifications pour bien voir les messages quand ils arrivent. Donc ici, lorsque vous êtes dans la page d'accueil, ou ici directement sur mon compte, vous pouvez sélectionner les notifications externes. En cliquant dessus, ici, vous pouvez choisir, en descendant vers Forum, de recevoir, donc soit immédiatement, soit de façon quotidienne, soit hebdomadaire, soit jamais, les notifications. Donc dans le Forum, si vous souhaitez vraiment pouvoir suivre les questions qui vont être posées, laissez immédiat, vous recevrez un mail dans l'ENT dès que quelqu'un aura écrit dans le forum. Conseillez aussi à vos élèves de le faire pour qu'ils soient bien au courant des questions qui sont posées et des réponses que vous apportez. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile.